votre cas est assez peu fréquent. Vous avez peut-être été traumatisé dans votre enfance. Oh non, je pense pas. Écoutez, une expérience prématurée aurait pu vous détourner complètement du sexe, à votre insu d'ailleurs. Je suis toute mouillée, arrêtez docteur. Oh, je suis désolé, Nelly. Nelly, tenez, négatif le test des bulles de savon. Éprouvez-vous une aversion pour l'acte sexuel? Oh, mais non, docteur, vous n'y êtes pas. Je n'éprouve aucune aversion en ce qui concerne l'acte sexuel. En fait, j'aimerais passer le reste de ma vie à me faire sauter. Ben alors, quel est le problème? Ah ben, j'en sais rien. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose? Oui. Oh. Je devrais éprouver autre chose que des titillements, hein? Titillements? Ah oui, je veux entendre sonner les cloches. Pardon? Des bombes. Des bombes? Voir des feux d'artifice. De toutes les couleurs, hein? Des bombes qui éclatent dans l'air. Ils sont vainqueurs. Orgueil de la bannière étoilée. Oh, docteur, s'il vous plaît, soyez sérieux. Nelly, tenez, emmenez-moi ça. Résumons. Vous attendez de l'amour plus que des légers titillements. Oui, je veux entendre des explosions, des bombes. Oui, vous l'avez déjà dit, mademoiselle Lovelace, j'ai compris. Votre problème doit être plus physiologique que psychologique. Avez-vous déjà subi un examen interne? Ah non, j'en suis sûre. Passez à côté, nous allons examiner la question. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche mieux que ça. Dites ah, ah, ah. C'est ça. Ah. Oh, ça y est, je le vois, votre charmant appendice, il est là. Quoi? Votre clitoris est là, tout au fond de votre gorge. Voyons, voyons, mademoiselle Lovelace, finalement la situation n'est pas catastrophique. Mieux vaut avoir un clitoris au fond de la gorge que pas de clitoris du tout, non? Oh, vous êtes drôle, c'est facile à dire. Et si vous aviez un pénis dans chaque oreille? Alors je pourrais m'écouter faire l'amour. Je vous en prie. Écoutez, nous connaissons le problème, il ne nous reste plus maintenant qu'à trouver la solution. C'est quoi? Vous avez une gorge profonde. Une gorge quoi? Profonde. Auriez-vous déjà essayé d'introduire un pénis tout au fond de votre gorge? Non. À chaque fois, ça me fait étouffer. Ça doit être parce que vous manquez d'entraînement. Il faut apprendre à relaxer les muscles du cou et à synchroniser respiration et mouvement de la tête. C'est pareil que quand on apprend à nager. Exactement. C'est cela. Eh oui. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Comme vous avez raison.